This house is cold and empty, just a ghost of who I used to be. Mes enfants au relais parental. Alors, la priorité du service, ce sont les hospitalisations, les accouchements, les problèmes de santé, les examens médicaux, voilà, tout ce qui va tourner autour de problèmes, de rendez-vous, d'état de santé, on va pouvoir accueillir vos enfants. Le deuxième motif d'accueil, c'est le soutien à la parentalité. Donc, c'est si vous êtes un petit peu en difficulté avec vos enfants à la maison, ou en tout cas que vous êtes avec eux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et que vous avez besoin un petit peu de soutien, ou du moins de prendre un peu de temps pour vous, tout simplement. Si je suis fatiguée, si je suis à bout. Tout à fait. Oui. Que vous soyez fatiguée, mm-hmm. que vous craquiez, si on mm-hmm. peut accueillir les enfants. D'accord. Voilà. Soit en urgence, en hébergement, soit de manière un petit peu plus ponctuelle, une nuit par semaine par exemple. Le troisième motif d'accueil au relais parental recouvre l'insertion sociale et professionnelle. This house is cold and empty, just a ghost of food. Bonjour Monsieur Meiser. Bonjour. Depuis, si vous pouviez nous raconter votre histoire par rapport au relais parental, comment vous nous avez rencontrés et dans quelles circonstances vous avez pu nous confier Bilguine et Aileen. C'était 5-6 ans avant, quand ma femme était tombée malade. À ce moment-là, l'assistant social de conseil général et Pierre Putriste de conseil général nous a parlé de relais. Et à ce moment-là, on n'a pas trop pensé avec ma femme. Mm-hmm. Mais après le décès de ma femme, comme j'étais tout seul, j'y pensais petit à petit. Et il y a à peu près 4 ans, j'ai décidé de vous appeler et de contacter avec vous. Mm-hmm. Et voilà, depuis 4 ans, je dépose mes enfants ici, une fois par mois ou une fois par 2 mois. Ok. Et votre première rencontre avec le relais, vous vous en souvenez quand vous êtes venu c'est Madame Lemeur qui vous a accueilli ou c'est Madame Barbusier? C'était Madame Lemeur. On a fait un contrat, elle nous a expliqué comment ça déroule la journée, comment vous accueillez les enfants, comment ça se passe, elle nous a tout raconté. Mm-hmm. Et on a fait le contrat, donc ça m'a convenu et c'est ce qu'elle m'a raconté. Et depuis ça, au début j'ai hésité, mais après... première et deuxième fois de poser les enfants. Mm-hmm. À partir de ça, j'avais confiance, j'ai amené depuis ça. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous nous avez connus déjà. Alors, j'ai connu le relais parental par l'intermédiaire de ma TISF qui était Madame Thébault, que vous connaissiez très bien. Mm-hmm. C'est elle qui m'en a parlé et je suis venue pour la première fois en 2009. Mon fils Alexandre. Mm-hmm. J'ai demandé un rendez-vous pour justement, il n'avait pas de crèche, il n'y avait rien. Donc on m'a proposé un rendez-vous, donc je vous ai rencontré. On a mis en place un contrat. Mm-hmm. Et Alexandre venait deux demi-journées par semaine. C'était. Qu'est-ce que le relais vous a apporté? On m'a soutien, repos, la confiance aussi. Parce qu'il y a eu la confiance de laisser mes enfants quelque part. C'était assez compliqué pour moi d'arriver à me détacher un peu des enfants. Mm-hmm. J'étais dans la routine où tout
temps les enfants. Et puis après, ben, grâce au relais, j'ai réussi à détacher un peu, avoir un rôle de maman et avoir un rôle de femme à côté. Comment vous pouvez décrire l'accueil un petit peu que vos enfants ont eu, l'accueil que vous avez eu en arrivant au relais parental? Mais quand je suis arrivée au relais parental, je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Donc j'ai rencontré Tiffen, qui est la personne qui s'occupe du relais, qui m'a expliqué un peu le déroulement du relais, comment ça se passait. Après, on est parti sur des demi-journées. Mm-hmm. Puis après, on m'a proposé, pour Alexandre, on m'a proposé une nuit. Qui était d'ailleurs, c'était pour m'aider justement Alexandre à, vu qu'il n'y avait pas de crèche, à pouvoir aussi devenir un peu plus autonome et être avec d'autres enfants de son âge. Et qu'il puisse passer des nuits en dehors de la maison et que ça l'aide à, enfin, que ça m'aide aussi un peu à souffler. Mm-hmm. Parce que j'ai un grand qui est assez problématique, qui a eu de gros soucis. Et c'est vrai qu'Alexandre, il n'avait pas besoin toujours d'être dans ces rendez-vous-là. Vous nous connaissez depuis de nombreuses années, puisque oui. Votre petit, il avait 2-3 ans, maintenant il a 10 ans. Oh, il était plus petit que ça. La première fois qu'il est venu, il avait 18 mois. D'accord. Et est-ce que vous constatez qu'il y a des choses qui ont changé au relais? Qu'est-ce qui a évolué selon vous? Qu'est-ce qui a changé? S'il y a des choses qui ont changé? Moi, ça fait longtemps que je ne suis pas venue, mais je sais que je trouve que ça a changé au niveau... Enfin, je sais pas, le personnel est toujours le même, je vois, mais il y a des personnes qui ont changé. Après, le relais, je l'ai trouvé un peu changé parce que ça fait un moment que je ne suis pas venue. Mm-hmm. Et puis après, je ne vois pas trop parce que ça fait longtemps que je ne viens pas. Mais je sais qu'il y a toujours l'écoute, l'accueil chaleureux et tout ça, ça ne change pas. Mm-hmm. Comment vous qualifiez ce lieu? En quelques mots, comment vous pourriez... Un lieu de soutien, un mm-hmm. lieu familial, chaleureux, où les enfants sont en sécurité et heureux de vivre. Mm-hmm. Et pour le parent? Enfin, pour vous, en tant que maman. Moi, en tant que maman, je suis une maman qui est très poule. Et je peux dire que laisser mes enfants au relais, pour moi, c'est quelque chose... J'ai pas d'inquiétude. Je sais qu'ils sont bien accueillis, qu'ils sont bien pris en charge. J'aurais voulu aussi savoir quel souvenir ça vous évoque, le relais. Comme vous disiez que ça faisait un moment que vous n'aviez pas de nouveau fait appel à nous. Quel souvenir, aujourd'hui, ça vous évoque? Moi, ça m'évoque le souvenir où je pouvais me reposer, où je pouvais... Finalement, il y a eu plein de bons souvenirs ici, donc comment dire, les enfants quand je les amenais, l'écoute, les gens, enfin aussi être tranquille aussi, dans le sens où je pouvais faire plus de choses, je pouvais aller en famille, faire une sortie, aller à une soirée en sachant que mes enfants étaient ici. Le relais, c'est quelque chose de... c'est magnifique, c'est bien pour les parents qui ont des soucis et qui ont beaucoup de mal à arriver à laisser leurs enfants quelque part parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas de famille à côté. Mm-hmm. Et que c'est, moi je dirais, le relais parental, c'est comme une famille, hein, comme une grande famille qui accueille vos enfants et qui les aime et qui s'en aime.